monde! Alors, il est 13h, comme je vous avais dit, on va parler de yarrow-pomme, ou plutôt grenadier millefeuille en français. Je trouve que le nom est un peu drôle, donc j'ai tellement eu l'habitude de l'appeler yarrow-pomme que je vais continuer de l'appeler comme ça. J'espère que vous m'excuserez. Je vous montre ce produit-là, qui n'est pas nouveau, qui est disponible au Canada ou aux États-Unis. C'est une première mondiale. Super intéressant. On l'appelle un actif botanique duo. Un nutritif duo. En tout cas, c'est ma traduction parce que ma bouteille vient des États-Unis. Je ne sais pas comment ils l'ont appelé. En français, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le mettre en dessous. J'ai vraiment le goût de consacrer toute la vidéo d'aujourd'hui sur le yarrow-pomme. Pourquoi? Parce que c'est un produit que je raffole, que j'aime beaucoup, beaucoup. Qui apporte énormément de brillance, du glow à notre peau, du visage notamment, mais très très intéressant aussi à utiliser. Ce qu'elle a de particulier, c'est que normalement, dans les huiles essentielles d'Achillée millefeuille, il y a un composé toxique qui fait en sorte qu'on ne peut pas consommer l'huile essentielle d'Achillée millefeuille, tandis que dans celle de il fait nuageux, donc ça peut affecter la qualité de ma vidéo. J'en suis vraiment désolée, mais il n'y a pas de possibilité pour moi d'avoir autre qualité d'internet à l'endroit où je vis, en tout cas du moins pour l'instant. Alors restez avec moi, vous allez entendre ma voix quand même si l'image devient moins de qualité. Je vais mettre tout mon cœur dans cette vidéo-là comme à l'habitude parce que j'ai vraiment des belles choses à vous parler. Donc on parlait de yarrow-pomme. D'Achillée millefeuille grenadier. Je vous parle de celui-ci en premier parce qu'il compose aussi les deux autres produits dont je vais vous parler ensuite. Deux merveilles que j'utilise à tous les jours depuis que je les ai. Je les ai depuis bientôt une semaine et demie, deux semaines, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qui est intéressant puis pourquoi on devrait vouloir s'intéresser au yarrow-pomme? C'est quand même une huile essentielle qui s'achète à 100 US à peu près. Donc, en fait, c'est un duo d'huile végétale et d'huile essentielle. C'est un investissement, mais c'est vraiment un sérum pour la peau qui va être de qualité exceptionnelle. On est dans du « wow ». On est aussi dans quelque chose qui va convenir aux puristes, dans un format de bouteille qui est réutilisable facilement. Moi, je l'ai presque terminé déjà cette bouteille-là, puis j'en avais un autre 5 ml. Ça vient avec une belle pipette, comme ceci. C'est bleu, bleu, bleu. Hein? L'Achillée millefeuille contient des chamazulènes, puis on va en parler. C'est une molécule qui lui donne sa couleur bleue, comme dans la tanaisie bleue également. Donc, c'est vraiment bleu, mais ça ne va pas nous tacher ou quoi que ce soit. On va juste avoir les bienfaits. C'est une couleur qui est présente naturellement. C'est une huile végétale, la pomme grenade, qui contient des oméga-5, très nourrissant. C'est vraiment comme un supplément qu'on donne à notre peau. Donc, le côté brillant, rayonnant que ça va nous donner à la peau du visage, sans boucher les pores de peau, va vraiment être du fait que notre peau, elle est bien nourrie, qu'on lui a donné des huiles végétales qu'elle reconnaît, qui lui font du bien. Hier, si vous avez vu mon post que j'ai fait hier, je vous parlais du fait que moi, je choisis de travailler avec des huiles végétales qui sont de qualité pour mettre sur ma peau et rien qui est dérivé du pétrole. Parce que, en fait, la majorité des trucs qu'on va trouver en tablette, des produits hydratants, que ce soit pour notre visage ou pour le corps, ils vont contenir des hydratants pétrochimiques, dans le fond, qui viennent de l'industrie pétrolière, comme la vaseline, par exemple. Vous allez les retrouver dans la majorité des crèmes. C'est pas nécessairement quelque chose qui est dangereux à ma connaissance, en tout cas, du moins avec les informations qu'on a en ce moment, c'est pas nécessairement dangereux, mais moi ça me fait pas triper. Et je sais aussi que le corps va moins reconnaître quelque chose qui est une huile minérale, comme le pétrole, qu'une huile végétale, que là, il va l'absorber, ça va vraiment nourrir. Vous pouvez l'utiliser comme supplément alimentaire, on peut le manger. Je le mets deux gouttes souvent sous la langue, matin et soir. Ça va être calmant, ça va être des beaux acides gras oméga-5. Donc, j'aime toujours qu'on puisse aussi avoir des produits qui sont comestibles. Donc, vous allez avoir les bienfaits autant pour la peau que l'utilisation interne de ce beau produit-là. Donc, on sait aussi, ce qui est super intéressant, c'est pas écrit sur la bouteille,
Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des gens qui ont écrit sur l'huile végétale de pomme grenade vont nous dire que c'est protecteur FPS 30. Donc, ça peut être super intéressant comme sérum, encore une fois, sur la peau du visage pour nous protéger également des rayons du soleil. C'est Dr. Axe qui en parlait notamment dans son livre. Il en parle, c'est pas écrit vraiment sur cette bouteille-là. Donc, ouais, ça nous dit ça. À peu près 250 utilisations. Pour l'utilisation interne, utiliser 2 gouttes. Moi, j'utilise sous la langue, mais eux, ils parlent aussi qu'on pourrait le mettre dans un verre d'eau. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce qui est intéressant de tout ça? Ben, c'est que ça va nous être super utile comme sérum. Voilà. Comment je l'utilise comme sérum, c'est pas compliqué, c'est que je vais mettre un tonique ou un eau thermale. J'ai mon esthéticienne qui travaille avec l'eau thermale, les bagnoles de l'orme, ça s'appelle. Donc, je vais en mettre dans mon visage juste pour avoir une peau un peu humide. Ou encore, je prends mon tonique Vérage ou un hydrolat de Neroli ou de Rose. Et là, sur la peau humide, je vais aller utiliser le yarrow pomme. Je vais prendre 2-3 gouttes que je vais prendre le temps de réchauffer dans mes mains et appliquer comme ceci. C'est quand même épais et visqueux, donc des fois, je vais rajouter aussi un autre sérum. On pourrait tout à fait le mélanger au sérum Vérage. Si vous connaissez la gamme Vérage pour les soins du visage, c'est du top aussi. Convient aussi aux puristes qui aiment avoir vraiment de la pureté dans leurs ingrédients. Donc, on peut mélanger les deux. Le sérum Vérage est beaucoup plus fin, hein, avec huile d'argan et tout ça. Donc, c'est vraiment une huile très, très fine. Tandis que cette huile-là est un peu plus visqueuse. Donc, de mélanger les deux va faire que ça va être plus facile à l'application. On dit que, par exemple, les chamazulènes, là, je vous ai montré tantôt, si vous n'avez pas vu, vous retournerez voir, le côté bleu de l'huile essentielle d'Achille Millefeuille vient des chamazulènes qui sont des puissants antioxydants, donc notamment intéressants pour l'usage interne et côté antioxydant pour la peau. Donc, ça combat les radicaux libres, on aime ça, tout ce qui apporte du vieillissement, la mort des cellules. Donc, c'est merveilleux comme régénérant pour la santé cellulaire. On dit que les chamazulènes sont encore plus concentrés en antioxydants que la vitamine C et la vitamine E. Donc, très intéressant. Ça va soutenir aussi notre système nerveux. C'est très, très calmant, autant pour l'humeur que, encore là, si on avait une peau qui était réactive, qui avait des rougeurs, qui aurait besoin d'être calmée, apaisée, ben ça va être super intéressant. Ça va supporter un métabolisme sain. À ce moment-là, ça va être une utilisation plus à l'interne qu'on va faire. Donc, soutien au niveau de la digestion, du métabolisme. Certaines femmes ont rapporté l'utiliser en processus de perte de poids aussi, le yarrow pomme. Donc, à ce moment-là, c'était un usage interne. Apaisant pour la peau et le corps. Effet anti-âge. Il y a de l'acide punicique. Ah, je ne sais plus comment le prononcer, j'ai oublié. Mais c'est en fait quelque chose qui est super intéressant encore là. Pour le tonus de la peau, l'effet anti-âge, l'effet peau jeune et d'apparence saine. On aime ça. Ça va soutenir aussi la pression artérielle pour les gens qui ont une pression dans la normale. C'est vraiment un tonique sanguin. Énormément de témoignages de femmes qui avaient des défis, vous savez, à ce moment-là du mois. Et que le yarrow pomme a beaucoup aidé. J'aimerais ça savoir s'il y en a que vous utilisez vous-même le yarrow pomme puis que vous avez des témoignages, une expérience à partager. Allez-y, ça serait vraiment, vraiment le fun de s'entraider. Peut-être que moi, j'ai pas les mêmes défis que vous, mais que quelqu'un va pouvoir vous lire et ça va pouvoir l'aider, lui donner une bonne idée de comment l'utiliser. Ça va soutenir aussi l'élimination des toxines. Donc, c'est merveilleux au niveau, encore là, tonique sanguin. Donc, c'est circulatoire, fonction métabolique et digestive, comme je vous disais. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau à partir de ce beau produit précieux-là, qui est très, très beau, on s'entend, c'est super joli, hein? Je vais vous montrer comment je le range sur mon armoire ensuite. Ça vient dans une boîte comme celle-ci. Donc, une jolie boîte. Yarrow pomme. Vous voyez les écritures à l'envers. Eh bien, ce qu'on a de nouveau, on a 2 nouveaux produits. On a un sérum régénérant pour le corps dans une belle bouteille de vitre, un 100 ml de produit. Il va passer vite pour moi, qui est un mélange un peu plus complexe que ce que je vous ai montré tantôt. Donc, on va vraiment avoir de l'huile d'argan. On a jojoba comme premier ingrédient, pomme grenade en deuxième, tournesol, avocat, pépins de raisin. On a aussi de l'argan à l'intérieur
plusieurs huiles essentielles aussi, comme la chili millefeuille, c'est sûr. On a aussi du tocopherol. C'est toujours intéressant, hein? Ça c'est un bon indicateur que vous avez des produits de qualité entre vos mains. Si c'est écrit tocophéryl, ça va être la version encore là pétrochimique de la vitamine E, c'est la sorte transparente. Tandis que quand c'est écrit tocopherol, ça veut dire que c'est la sorte de vitamine E qui est ambrée et qui va être de source végétale. Donc beaucoup plus intéressant à mon avis, en tout cas moi c'est clairement mon choix. Il va y avoir l'huile essentielle de cananga à l'intérieur, menthe poivrée, camomille romaine. Ashley Millefeuille, je vous l'avais dit. Donc, ça ressemble à ça, les ingrédients ici. Ça sert à quoi, ce tonique-là? C'est vraiment pour s'hydrater le corps. Et j'en parle souvent dans ma communauté VIP. Je vous en ai parlé souvent aussi. C'est hyper important, lorsque vous sortez du bain ou de la douche, de prendre le temps de vous hydrater avec une belle huile pour le corps. Une huile qui va pénétrer, encore là, de source végétale. Parce que votre peau... Et votre plus gros organe, c'est un organe qui contribue énormément à votre système immunitaire, qui a une fonction de protection, hein? Ça vous protège de plein de choses, notamment avec sa barrière lipidique. Donc, il y a comme le sébum hein, qu'on connaît, qui protège la peau. Donc, d'avoir une peau sèche et craquelée et tout ça fait en sorte qu'elle devient un petit peu plus perméable et fait moins bien son travail. Donc, non seulement c'est le fun d'avoir une peau douce et hydratée, mais en plus, ça contribue à une bonne santé globale. C'est une bonne habitude. Par contre, je sais pas si vous êtes comme moi, on n'a pas toujours le temps. Donc, c'est le fun d'avoir des produits que ça va vite. Vous connaissez certainement cette huile-là en spray. Vous pouvez facilement fabriquer aussi maison. Si jamais vous avez le goût de fabriquer votre huile pour le corps maison, allez-y. J'ai fait une vidéo avec... sur mon huile nettoyante dernièrement, si jamais vous voulez, vous la retrouvez pas, vous me pressignez. Je pense qu'elle est sur ma chaîne YouTube aussi. Dans mon groupe VIP, vous avez à peu près 10 recettes d'huile pour le corps différentes. Vous avez juste à chercher avec la loupe dans Boreal Essence exclusif pour ceux qui sont membres d'Otera avec moi. Et j'utilise ce produit-là, mais celui-ci va être intéressant au niveau de son effet raffermissant, régénérant, anti-âge, à mettre absolument sur les zones que vous voulez raffermir, que vous voulez, encore une fois, au niveau du buste, oui, on veut ça, le cou, ici, le décolleté, très, très intéressant, des fois, cuisse, fesses, ventre, peut être super aussi. Moi, je l'ai utilisé sur tout le corps au complet, des fois, je fais un mix des deux, super intéressant et merveilleux, puis... Comme je vous disais, on recycle la bouteille lorsqu'elle sera vide parce qu'elle est vraiment de super qualité. Il y a même un effet, quand on voyage, il y a un petit truc qu'on peut enlever et mettre pour éviter que ça coule. Donc la pompe, elle peut pas bouger. Donc super pratique. Ça vient dans cette boîte comme ceci, une jolie boîte. Et c'est vraiment beau. Ah, je l'ai lancé la boîte. C'est vraiment des beaux produits. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un rondin qui vient de mon terrain. Si vous n'avez pas remarqué, on s'est construit une maison et on a coupé des arbres. Alors, j'ai des tranches de rondin comme ça. Et je vais aller mettre, par exemple, mon huile, comme ça, dessus avec mon sérum. Et je vais mettre aussi mon autre huile, comme ceci. Là, ça fait super beau. C'est cute. C'est beau. En tout cas, moi, je trouve ça beau. Je suis pas vraiment la meilleure décoratrice, ni celle qui a toujours le meilleur goût. Fait amusant, c'est David qui décore la maison. C'est pas moi. Bon. Sinon, le dernier produit que je vais vous parler, c'est un supplément. Donc, ce sont un complexe beauté cellulaire qui est fait à partir du yarrow-pomme, mais qui va contenir aussi beaucoup de zinc. Donc, le zinc, c'est un minéral super intéressant. Ça ressemble à ça. Dans le fond, on en prend 2 par jour. On le prend à l'interne, ça nous fait du bien dans notre santé globale, mais ça apparaît énormément sur l'apparence de votre peau. Si vous voulez avoir une peau plus belle, plus unifiée, moins de boutons par exemple ou d'imperfections, c'est un beau supplément à essayer. Donc, il va contenir du zinc, de la vitamine C aussi beaucoup, sous forme d'acide ascorbique, zinc... Le complexe, bien sûr, de yarrow-pomme, l'huile végétale de pomme-grenade. On a de l'extrait de pépins de raisin. On a la chili millefeuille. On a de la résine d'encens et de l'huile essentielle de graines de céleri, de palmarosa, de curcuma,
et de l'extrait de melon, puis le dernier ingrédient, de la mélisse. Donc vraiment des superbes ingrédients. Moi, ça fait à peu près 2 mois que mon père m'a dit de prendre un supplément de zinc. Mon papa est merveilleux. Mon père, c'est un... je le salue. Bonjour, papa. C'est un curieux intello. Il se renseigne tout le temps, beaucoup, depuis toujours. Il lit des livres comme personne que je connais. S'informe sur plein de sujets. Il peut avoir avec vous des discussions intellectuelles vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup jaser avec lui. Puis, ça fait un méchant bout qui me dit de prendre des suppléments de zinc. Alors, voici, papa. Je les prends. Je les prends tous les jours. Donc, puis en plus, ben c'est merveilleux pour la peau, mais ça va aussi aider au niveau du système immunitaire puis plein d'autres choses. Là. C'est sûr que si on a une belle peau, ben ça veut dire que probablement on boit suffisamment d'eau, on mange bien, on fait de l'exercice, on sue, on oxygène notre circulation sanguine en bougeant. Donc, c'est tout ça qui va être le reflet sur notre peau, mais c'est tellement le fun, je suis tellement reconnaissante d'avoir ces beaux outils-là entre les mains. J'ai eu beaucoup de questions hier à savoir quand est-ce qu'on peut se les procurer. Eh bien, moi, la meilleure façon que je vous recommande de vous procurer, si vous voulez les avoir rapidement, ces produits-là, c'est d'aller le 5 octobre au complexe Hélicoptère à Québec. J'ai des gens qui se déplacent d'à travers le Québec qui vont aller. C'est, dans le fond, une tournée post-convention. Dans le fond, c'est comme si la convention se rendait à vous, mais en beaucoup moins de temps. Et les gens qui vont se présenter, ça coûte 25$. Vous pouvez avoir un invité avec vous. Et chacun d'entre vous, vous allez recevoir un beau sac transparent pour mettre vos achats. Vous allez recevoir un roll-on exclusif qui s'appelle Together, donc ensemble, qui est fait de magnolia et de yuzu. Ça sent très, très, très bon. Donc, vous allez avoir ce beau roll-on-là exclusif qui ne s'achète pas. Et sur place, il va y avoir à peu près 500 kits pour ceux que ça va intéresser de se procurer, dans le fond, tous les nouveaux produits dont je parle cette semaine. Fait que je vais vous mettre en commentaire le lien de l'événement. Il faut s'inscrire par Eventbrite. Donc, c'est ce beau petit roll-on-là. Très beau. Et vous pourrez vous procurer le kit. Je vais vous mettre aussi l'image en commentaire sur le prix de l'ensemble. C'est quoi qui inclut, ainsi que des économies qui vous permettent de faire. Donc, c'est une option pour vous. Sinon, si vous voulez l'acheter en individuel, ben ça va être soit le 1er novembre dans les cadeaux de Noël. Ils veulent l'avoir en version de voyage avec une belle petite trousse. Je l'ai vue, une trousse en cuir vegan. Très, très jolie trousse. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous procurer ces deux nouveaux produits-là en plus petite version. Sinon, pour l'achat régulier, ça va être le 1er janvier. Tous les autres produits devraient être disponibles à partir du 1er octobre, mais ce sont deux produits qui, exceptionnellement, seront seulement prêts à l'achat pour le 1er janvier en format régulier. Donc, si vous voulez en faire le plein, moi, je sais que je vais me racheter un deuxième kit dans mon compte en octobre, c'est sûr, pour avoir assez de ces... Surtout ça, là, quand je vais avoir fini de les prendre, j'en veux d'autres. Donc, je vais me les commander le 1er octobre. Est-ce que ça répond avec vos questions? Avez-vous des questions? Des choses que vous aimeriez que je vous parle? Donc, ça, j'en ai pas mal parlé. Support aux organes internes. Les chamazulènes. Le bépinène, je vous en ai pas parlé. Là, c'est une autre molécule dans la chelée millefeuille qui va améliorer les fonctions cognitives, la mémoire, la concentration, l'attention. Peut aider aussi quand on a un sentiment de tristesse. Les bécaryophyllènes, c'est comme dans le copaïba, il y en a un peu aussi dans la chenille millefeuille. Ça va support métabolique, support dans notre système endocannabinoïde, support d'une saine réponse anti-inflammatoire, parce que c'est toujours intéressant. Puis voilà, l'acide punicide de la pomme grenade et de l'acide linoléique. Donc ce sont des gras qui sont bons pour nous, qui nous font du bien. Support du rein, pancréas, bienfaits nutritionnels, support métabolique, forte concentration d'acides gras essentiels. Quand on appelle ça des acides gras essentiels, ça veut dire que c'est des choses qu'on ne va pas développer nous-mêmes dans notre corps. C'est nécessaire de les avoir dans notre alimentation. Toutes les oméga 3, 6 et 9. Et là, on a des oméga 5. C'est vraiment exceptionnel dans l'huile végétale de pomme grenade. En termes de prix, je ne le sais plus par cœur, le prix en canadien, mais il va être 65$ US, ce 100ml-là. On parle vraiment de produits haut de gamme, précieux et très efficaces. Support à la barrière cutanée, je vous en ai parlé, revitalise la peau, effet anti-âge.
On a parlé des ingrédients. Les esters de la pomme grenade aussi vont favoriser une peau très douce, unifiée, du glow, on aime ça. Ça va stimuler la production de collagène également. Donc, des fois, on va acheter en salon esthétique des produits qui vont aider au niveau de notre collagène. C'est bien le fun. Moi, je me suis fait un masque ce matin, d'ailleurs. Un masque avec du beurre de karité, voyons, c'est quoi le nom? Je me suis fait une recette avec l'huile essentielle de petits grains, du beurre de karité que j'ai fait fondre avec... Ah, j'ai un blanc du nom. Je vous l'écrirai. J'ai vraiment perdu le nom. C'est ce qu'on met des fois dans l'eau pour mélanger nos huiles essentielles, là. Je m'en rappelle pas. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je vais vous l'écrire parce que j'ai vraiment perdu le mot. Tandis que le complexe ici, il va combattre le stress oxydatif. C'est ça qu'on appelle antioxydant, donc combat les radicaux libres. Va favoriser la jeunesse de la peau, combat lorsqu'il est pris au quotidien. Il va être amélioré par les graines de céleri, l'encens, le palmarosa, le curcuma, la mélisse, les bienfaits pour la peau. Zinc, vitamine C, extrait de melon, pépins de raisin. Ça va nous aider aussi au niveau détox, purger aussi les émotions. Donc, ça fait un peu le tour. Un des ingrédients que vous avez vu qui est très, très présent, c'est l'encens dans plusieurs produits de doTERRA. On a beaucoup, beaucoup d'encens. L'huile essentielle de l'encens fait partie des 10 huiles... Oui, la glycérine végétale! Merci, Léa! Yay! Et que tu es fidèle au poste, Léa. Merci d'être venue à mon secours. Donc, j'ai fait un mélange de beurre de karité, glycérine végétale avec l'huile essentielle de petits grains que je me mets en masque sur le visage et je me mets une serviette d'eau chaude dessus le visage. Et c'est ça, je veux vous parler de l'encens de doTERRA parce qu'on en a beaucoup parlé à la convention aussi. Puis, c'est un produit de toute façon qui n'est pas difficile à aimer, hein, on s'entend, l'huile essentielle d'encens, le Boswellia. Donc, il va venir de 4 sortes d'encens différents, Boswellia carteri, Boswellia sacra, Boswellia, je ne me rappelle plus des 2 autres. Mais ce sont vraiment des vrais trésors antioxydants. L'huile essentielle d'encens existe depuis, j'en ai toujours proche, comme ça, j'en ai partout. David en a dans son bureau, j'en ai dans le kit pour les diffuseurs pour enfants en bas. L'huile essentielle d'encens va être merveilleuse pour les bienfaits que ça apporte au niveau de la peau, régénérant, très très antioxydant. Va aider au niveau de l'apparence de la peau, des cicatrices, des vergetures, donc on aime ça en mettre sur nous. Va aider au niveau des fonctions cognitives aussi, mémoire. On dit que ça agit au niveau de l'ADN, renouvellement des cellules. Ça agit profondément, support au niveau de la concentration aussi. Utilisé dans toutes les religions mondiales depuis toujours, la Bible en parle beaucoup, beaucoup de l'encens, c'est l'huile essentielle qu'on a offerte à Marie à la naissance de Jésus. Puis c'est très précieux. Et je veux vous parler de l'encens. Pourquoi? Non seulement c'est merveilleux pour nous, c'est une huile que doTERRA m'a fait connaître, que je connaissais pas beaucoup avant. Je connaissais pas sa vertu et ses propriétés fantastiques. Mais en plus, c'est qu'elle supporte tellement, tellement les fermiers qui la produisent. Ça change la vie de beaucoup, beaucoup de gens, de milliers de personnes. Et on a appris dernièrement que, bon, grâce à la production d'encens, maintenant on a une grosse partie de la Somalie, finalement, c'est là que principalement nous provient notre encens. Il va venir aussi de l'Oman, mais en grosse, grosse partie, ça vient de la Somalie, l'encens. Et on a une école maintenant, vous savez, je l'avais peut-être déjà raconté, mais l'huile essentielle d'encens est produite par plusieurs familles qui vont travailler en coopérative. On appelle ça du co-impact sourcing. Et les communautés, cœur à cœur avec doTERRA, ont pu être accompagnées vers l'ouverture d'une école pour donner accès à l'éducation aux enfants. Ça a été un combat au début parce que c'était un coin de pays où les filles n'étaient pas très, très encouragées à aller à l'école, mais l'entente a été claire avec doTERRA, c'est on ouvre une école à la condition que c'est égal accès pour les filles et les garçons. Yes! Et non seulement ça, mais maintenant, l'école roule presque 24 heures sur 24, c'est pas vrai, pas la nuit, mais de jour, c'est pour les enfants et de soir, c'est pour les adultes qui veulent s'éduquer, s'informer. L'éducation et la connaissance, c'est tellement, ça redonne tellement de pouvoir, vous le savez. Donc, c'est merveilleux. Et en ce moment,
Il va y avoir des soins de santé qui vont être accessibles aussi, qui vont toucher des milliers de personnes. On parle à peu près 500 000 personnes qui vont avoir accès à des soins de santé grâce à votre achat aussi de produits doTERRA. Donc, sachez que c'est toujours gagnant-gagnant quand vous achetez doTERRA. Normalement, les gens de cette région-là de la Somalie devaient voyager 12 heures de temps pour avoir accès à un médecin ou à quelqu'un qui les accompagnait. Et c'est pas vrai que tout le monde le faisait. Donc, il y avait des gens qui avaient des... qui pouvaient mourir de maladies, que ça ne devrait pas arriver, beaucoup de mortalité infantile, beaucoup de mortalité de femmes qui donnaient naissance à des enfants. Et donc, il va avoir des soins de santé, de proximité pour cette communauté-là. On était vraiment contents de célébrer ça. Donc, je voulais vous le partager parce que je trouve ça important que vous connaissiez l'histoire derrière les huiles essentielles. Je ne peux pas tout vous raconter, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. En janvier, je m'en vais à Hawaï où doTERRA a ouvert une grande réserve écologique pour contribuer à reforester Hawaï. On est vraiment dans une entreprise qui a des pratiques dont on peut être fier et que j'ai vu de mes yeux vus sur le terrain. Je suis allée sur plage, j'étais allée voir l'arbovité à Vancouver, une production zéro déchet extraordinaire. Je suis allée au Mexique, à Puerto Vallarta, travailler à Pasito de Luz. Pour aider des enfants, je vous en ai parlé, ça aussi. Le vétiver d'Haïti, qui est produit en co-impact sourcing aussi, qui permet d'avoir accès à de l'eau potable, soins de santé, éducation pour les enfants. Je pense à tellement d'huiles essentielles qui sont produites au Kenya aussi, qui permettent à des gens à redevenir propriétaires de terres et à devenir vraiment autonome financièrement. Donc, c'est ça aussi, doTERRA. C'est important que vous le sachiez parce que quand on les utilise, ça nous fait du bien, mais en même temps, on sait que ça fait du bien à d'autres. Donc, je vous retrouve demain. Demain, ça va être en matinée que je vais faire le live, probablement aux alentours de 9h. Et on va parler d'autres belles nouveautés, beaucoup au niveau de votre digestion. Donc, c'est un sujet qui vous intéresse, la digestion, autant des petits que des grands. On va en parler demain. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous êtes intéressé à démarrer votre aventure doTERRA, vous ne connaissez pas encore doTERRA, c'est nouveau pour vous. Je suis la personne qui vous en a fait connaître les bienfaits. Contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous accompagner. C'est le bon moment de devenir membre doTERRA pour pouvoir profiter en octobre d'acheter l'ensemble des nouveaux produits. Sinon, ben allez vers la personne qui vous a parlé de doTERRA en premier, ça c'est important, la personne de confiance qui pourra vous accompagner. Peu importe dans un cas ou dans l'autre, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que vous ayez ces merveilles à la maison, n'est-ce pas? Et j'attends toujours de voir des témoignages avec le Yaropom, comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous faites avec, puis comment vous l'aimez. Donc, bonne journée tout le monde, j'ai super hâte de vous retrouver demain. Bye!